Hey la Team Rider, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous la forme pour ce nouvel épisode sur la chaîne. J'ai plein de trucs à t'annoncer. Je vais pas y aller par quatre chemins. Déjà, truc incroyable, on part sur le circuit du Mans, le mythique tracé du circuit du Mans Bugatti avec le 46 Turbo. On va pouvoir aller tester toutes les dernières améliorations châssis qu'on a réalisées sur le circuit du Mans. Ça va être juste incroyable. J'ai très hâte. On va avoir pas mal de préparatifs à faire histoire de faire en sorte que cette journée se passe au mieux. Elle vient tout juste d'être lavée. On a fait un petit lavage avec le poteau l'autre jour puisqu'on va avoir un kit déco complet qui va venir dessus. Il y a également une petite lame M3 type CSL qui doit arriver sur l'avant et malheureusement je me suis rendu compte qu'elle était rendue en Ukraine. J'espère qu'elle arrivera, sinon bah tant pis, c'est pas grave, on va relativiser et puis on en reprendra une autre si jamais elle reste coincée là-bas. En attendant, on a du taf, je suis allé rouler un petit peu avec sur route privée évidemment, avec le poteau quand on est allé la laver. Du coup, on s'est aperçu que ça frottouillait un peu, beaucoup même. Du coup, on va devoir redéposer les ailes pour pouvoir redécouper plus généreusement, carrément plus généreusement les ailes. Je sais pas si t'as vu aussi, mais je t'ai dit qu'il y a plein de trucs. J'ai craqué pour des petites jantes Apex ARC8 en 10 de large. Ça veut dire qu'on va pouvoir chausser du 265. Voire du 275 sur le train arrière. Je crois que même le 10 de large supporte du 285. Mais idéalement, on restera sûrement sur du 265-275. Mais probablement en semi-slick. Tant te dire que ça devrait bien accrocher avec ça. Pourquoi je fais ce choix-là? Puisque bah, les cales, c'est bien, mais c'est pas forcément l'idéal. Donc voilà, des petites jantes plus légères, plus adaptées au track day. Et directement avec le bon déport pour éviter d'avoir des cales de partout. Bon les amis, on va tâcher d'attaquer quand même. On va redéposer les ailes et on va redécouper beaucoup plus généreusement. J'aurais dû clairement couper beaucoup plus. En tout cas, on s'en est aperçu à temps. J'ai pas envie de m'y reprendre à 42 fois, donc on va tâcher d'être bien généreux sur la découpe cette fois-ci. Je vais replacer l'aile, enfin l'extension en place, mais c'est juste pour rechoper la courbure. Bon, et eh bien les gars, ça y est, c'est revu pour ce côté-là. J'ai été clairement beaucoup plus généreux sur la découpe que la fois précédente. Donc voilà, j'ai retiré entre 20-25 mm de matière au moins supplémentaire. Et ça devrait faire toute la différence. Cette fois-ci, on devrait être tranquille. Évidemment, comme la première fois, j'ai veillé à repeindre, rajouter une couche de peinture sur la CNU. J'ai également passé deux couches de vernis bien généreuses sur l'acier, histoire qu'il ne rouille pas. Et les flancs, si tu veux, je les rabats de façon à ce que l'eau ne puisse pas rentrer. Donc normalement, on ne devrait pas avoir de mauvaise surprise. De toute façon, elle ne sera pas destinée à rouler sur le mouillé. Donc la rouille, ce sera surveillé de près. Mais ça m'inquiète pas plus que ça. Bon, bah maintenant, exactement même opération de ce côté-là. Je redépose l'aile, je refais le petit dessin de la découpe et puis on réattaque. Bon, ça c'est une très bonne chose de fait, par contre niveau nettoyage, on va devoir recommencer l'opération.
Les amis, alors le verdict, je me suis permis carrément d'aller en essai avec, de l'emmener dans des chemins complètement chaotiques, ne serait-ce que l'aller ici, c'était un test, puisque ça frottait déjà dans tous les sens. Là, pour le coup, et bah déjà, première bonne surprise, c'est que en sortant d'ici, ça n'a même pas frotté. Je m'attendais au moins à ce que ça frotte, puisque la sortie est en dévers et c'est tout le temps là que ça frotte, même avant ça frottait. Et là, pour le coup, même plus, dans cette situation-là, ça ne frotte même plus. Donc je suis absolument certain d'être tranquille le jour de l'event sur le Mans, et franchement, je suis beaucoup plus serein. Je te prends dans l'habitacle, puisque évidemment, il se met à pleuvoir. C'est l'occasion pour échanger à nouveau un petit peu avec toi au sujet de ce qui va se passer les prochaines semaines. La turbo, au niveau des préparatifs, il y aura plus tant que ça à faire. Niveau châssis, normalement, on n'est plus trop mal. Il n'y aura plus qu'à tester, approuver les dernières modifications, les dernières améliorations qu'on aura faites. Au niveau du moteur, on aura fait la vidange, un gros check-up. Normalement, c'est pareil. Le bloc, il est prêt à repartir pour une session. De toute façon, on améliorera, on appauvrira un tout petit peu. J'ai déjà retravaillé grossièrement les AFR, histoire justement de déjà un petit peu appauvrir, mais je préfère le faire en dynamique sur circuit pour vraiment se rendre compte de ce que ça donne en temps réel, puisque là bah forcément c'est compliqué en faisant des tout petits roulages, etc. C'est pas forcément les conditions optimales. Le kit déco, malheureusement, a priori il prend du retard. On verra s'il arrive avant l'événement ou pas, ce serait cool, mais j'ai pas envie de le poser non plus à l'arrache, donc ça, on verra ça. En tout cas, on pourra faire ça un peu après, tranquillement, ça me va très bien aussi. En tout cas, tu es au courant de ce qui arrive, les jantes aussi, de toute façon, on verra aussi comment je vais user les pneus route. Est-ce qu'ils vont être rincés au bout de la journée sur le Mans, ou est-ce qu'ils vont pouvoir refaire une journée? Si jamais ils sont rincés, et bah terminé pour les pneus route. À l'issue de la journée, je commanderai directement les semi-slick pour aller sur les nouvelles jantes Apex. Au sujet de la 328i, donc la berline qui prend encore la route, celle qui est en cours de restauration, j'avais fait beaucoup de travail dessus pour vraiment la remettre en forme et faire le nécessaire. Bref, elle a eu un gros coup de jeune, mais il reste encore un peu à faire. Il nous reste, grosso modo, pour le moment, pour la rendre vraiment parfaite, un capteur Abracam admission qui est dans le sac. Malheureusement, je peux pas le démonter puisque il est bloqué derrière une solénoïde de Vanos qui ne veut pas venir, ce qui implique la dépose complète des Vanos. Pour l'instant, je l'ai toujours pas fait. Il faut que je trouve le temps de passer chez BM pour commander les petites vis de Vanos, entre autres le joint de Vanos. D'ailleurs, il faut que je vérifie si j'en ai pas un de côté, et puis on verra ce que ça donnera. Ça me permettra normalement de déposer les Vanos, de déposer et remplacer ce capteur-là. Je prendrai par ailleurs sûrement un capteur BMW, même s'ils sont un peu plus chers. En général, ça marche mieux que des capteurs adaptables. Et vu l'accès et la galère que ça me fait faire pour y accéder, là, je préfère mettre un petit peu plus le prix pour ce capteur-là, histoire de ne pas avoir le redéposer 3 mois après, puisque si jamais l'adaptable redéconne par la suite. Donc voilà pour ça, sur la 328i toujours, il nous reste, pour qu'elle soit parfaite également, la bague au niveau des commodos. Si tu veux, elle fait un claquement quand je braque. Et donc je pense que c'est toute la platine, ce qui permet de faire le retour de clignotant quand tu sors d'un rond-point, etc. Je pense qu'on va devoir changer toute cette platine là. J'essaierai de démonter, on va regarder à l'occasion. Histoire de voir si on voit quelque chose de particulier, mais je pense que soit il y a une pièce de cassé, soit il a été mal monté, démonté, enfin je sais pas, il y a un truc. Si ça le fait pas, j'ai vu que ça se trouvait pour des prix assez raisonnables, donc on essaiera de monter ça. Quoi te dire d'autre au sujet de cette 328i? Le bloc ABS, il nous reste normalement, il me semble, la pompe ABS ou la pompe DSC qui est en vrac. Donc, il faut qu'on mène l'enquête aussi là-dessus. Donc voilà, les amis, c'était le petit point sur le 328i. Moi, je vais prendre des petites vacances. Je vais essayer de te programmer quand même une vidéo qui sera très probablement un clip entier, sans montage, sans coupe, avec celle-ci en track day. Voilà, petite vidéo simple, mais voilà, histoire de te partager un peu de contenu quand même. Mais il n'y aura clairement pas les vidéos mécaniques habituelles. De toute façon, tu sauras quand est-ce que je reviens.
Les projets à suivre, il y a plein de choses, mais je suis en gros manque de temps en ce moment. Donc je peux pas te proposer de gros projets lourds, mais t'inquiète pas, pourtant il y a plein de choses qui arrivent. La drifteuse, c'est pareil, on est franchement pas trop mal hein, dans la config, mais bah, va falloir aller la tester. Je suis pas hyper pressé, malgré que j'en ai bien envie, puisque en fait il va y avoir des changements dessus, mais genre assez violent. Tu verras ça par la suite. Mais voilà, je suis pas pressé, j'ai quand même envie de la tester vraiment dans cette config complètement débile et atypique, parce que je te rappelle qu'elle est en boîte auto, ça a rien à faire en drifteuse, mais c'est pas grave, justement ça va être vraiment marrant de voir comment la boîte va se démerder. Ça se trouve la boîte elle va morfler dès le premier jour, dès le premier événement, on verra bien, ce sera la grosse surprise. Du peu que j'en ai testé en tout cas, à lui lâcher des freins à main, etc., la boîte se comportait plutôt très bien. J'étais assez surpris, mais bon, à 130, à 120 km/h, ce sera peut-être pas du tout la même chose qu'à faible allure. Donc à faible allure, ça le fait très bien, la boîte réagit très bien, elle reprend direct après un frein à main, etc. Bref, ce sera vraiment la grosse surprise, et je pense que justement, ce sera intéressant d'essayer ça dans une configuration complètement atypique, mais dans le futur, ça ne restera pas comme ça. Je t'en dis pas plus, reste bien présent pour les prochains épisodes. Sur ce les amis, moi je vous dis à très très vite, à la prochaine, ciao.